Yes, hi, les gars. Salut, salut, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Voilà. Il y a d'autres pays aussi, on est obligé de dire bonjour. Voilà. Peut-être depuis les États-Unis, je ne sais même pas lequel, au Canada, machin, on salue tout le monde. Voilà. Aux États-Unis, au Canada, voilà. Peut-être eux, là-bas, c'est le jour. Voilà. Ici, chez nous, ici, on vous dit bonsoir. Voilà. J'espère que vous allez bien, voilà. Et que tout se passe super bien. Ouais, enfin, je fais cette vidéo aujourd'hui soir, bon, parce que j'ai vraiment, c'est pas actuellement là, je traverse vraiment une période assez compliquée, voilà, vraiment assez compliquée. Ouais, donc, je réfléchis tout le temps, je sais pas, et vraiment, et quelle décision prendre. Enfin, c'est par rapport aux escrocs qui sont sur les réseaux sociaux, toujours. Voilà, les arnaqueurs. Vous voyez, deux jours, là, ça continue. Voilà, ça continue. Et vraiment, moi, en tout cas, je me sens vraiment très mal. Ouais, c'est compliqué. Voilà, je suis allé même porter plainte à la gendarmerie. J'ai été à la police. Mais, en tout cas, il n'y a pas d'évolution. Voilà. Voilà, c'est les mêmes, tout le temps. Il y a toujours des victimes, voilà. Il y a toujours des victimes, il y a des gens qui se plaignent. Voilà, il y a des gens qui se plaignent de moi. Oui, tu m'as promis ça, oui, on m'a pris de l'argent. Tu m'as dit de venir voir ton gestionnaire ici au Burkina. Franchement, ça continue, les gars. Donc vraiment, je ne sais pas quelle solution, franchement. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois toujours rester connecté ici. Sur les réseaux sociaux, ou bien je dois peut-être. Voilà, je ne sais pas. Ou bien disparaître directement sur les réseaux. Actuellement, c'est franchement, je ne dors pas. Ouais, franchement. Je ne dors pas, franchement. Ouais, c'est un peu difficile. Voilà, vous voyez, ça continue. Ça continue. Il y a des gens qui se laissent vraiment arnaquer. Par ces gens là, ouais. Enfin, moi, ce que je comprends pas, les gars, c'est la facilité. Vous voyez, la vie n'est pas facile, hein. La vie là, c'est pas comme de l'eau à boire, elle est très difficile et très compliquée, les gars. Nous sommes des garçons, tu te lèves, tu dois aller travailler, tu dois payer ta maison, il y a facture d'eau, facture de courant, tu dois nourrir. Si qu'on a besoin, tu as une femme à la maison peut-être qui ne travaille pas, il y a des enfants, les gars. Moi, je pense qu'on ne va pas faire tout ce boulot-là. Et après, tu vas encaisser ton argent à la fin du mois et aller donner à ces voyous-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui se font passer par moi, par quelqu'un d'autre. Hein? Les gars, faites vraiment très attention. En tout cas, moi, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que vous pouvez m'aider. Voilà, vous, tous ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo, vous pouvez m'aider. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de postes comme ça, réussite de pensée qui circulent. Voilà, moi, en tout cas, c'est un service que je vous demande. Voilà, je me mets à genoux, je vous demande pardon. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est les deux mains qui se lavent et c'est l'homme qui fait l'homme. Voilà, sans vous, moi, en tout cas, je ne suis rien. Aujourd'hui, je suis connecté, bon, il y a plusieurs personnes qui me regardent. Voilà, je pense que ce sont les connexions. Voilà, en tout cas, parce que vous payez pour venir ici, souvent on fait des directs, vous êtes connectés. En tout cas, je vous dis merci. Mais en tout cas, je vous demande quelque chose. Essayez de voir ces postes Aristide Bansé, qui ne sont pas vrais. Vous voyez où, je ne sais pas, des gens demandent, oui, je vais t'aider, et contactez-t'en. Mettez des commentaires en bas, simplement, s'il vous plaît. C'est-à-dire des commentaires simples. Attention à l'arnaque. Attention à l'arnaque. Oui, c'est pas moi. Vous m'avez eu, j'ai fait un direct, c'est pas moi. Précisez bien, s'il vous plaît. Voilà, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Hein. Enfin, je ne sais pas pourquoi on a cette mentalité-là. Je ne comprends pas. C'est un peu compliqué. Voilà, vous voyez. Donc, moi, je demande aux gens, vraiment, à tous ceux qui font ça, là, vraiment d'arrêter. Voilà, d'arrêter parce que ce n'est pas une bonne manière d'escroquer les gens. Il y a des gens même qui ont pris toutes les économies. Il y a des gens qui ont vendu leur terrain. Ça, je vous le dis. Qui ont vendu même leur terrain pour aller donner à ces gens. Vous n'avez jamais vu Bansé. Vous ne connaissez pas Bansé. On ne se connaît pas.
et vous croyez à une personne à distance. Et maintenant, ils ont changé de tactique. Qu'est-ce qu'ils font? Et, comment on appelle ça? Mais les personnes concernées, là, voilà, quand ils se sentent, quand ils voient que non, ça sent pas trop bon, et ils vont demander un appel vidéo. Et l'appel vidéo se fait comment? Le gars, il prend son téléphone, hein, il connecte ça comme ça. Et quand il connecte, il prend peut-être une vieille vidéo de moi, là où j'étais en train de parler, et on met ça derrière le téléphone. Et ça veut dire que quand on met ça derrière le téléphone, et vous ne vous voyez pas bien, mais le gars va vous dire non, il n'y a pas la connexion. On ne voit pas bien, il n'y a pas la connexion. Vous voyez bien, c'est bancé. Mais le portable qu'il a là, ce n'est pas pour bancé. Voilà. Et lui, son portable, il a téléchargé une vieille vidéo de bancé, donc il arrive derrière et il met ça comme ça. Et donc quand il met, bon, attends, je vais faire un exemple comme ça. Jean-Simon, il prend ce téléphone-là. Je prends son, voilà, je prends ce, voilà, Jean, j'approche, voilà. J'approche comme ça, je fais ça comme ça. Et on voit que directement, c'est bancé, ils vont dire non, et c'est lui-même. Et ça récide, et puis directement, on, voilà. S'il demande une somme, il va dire, bon, voilà, va voir telle personne, il va t'aider. Mais je pense que ce n'est pas vrai. Pour savoir si c'est bancé, c'est très simple. Regardez, je suis là. Dites-lui, Aristide Bancé, touche ta tête. Vous voyez? Les oreilles, vous voyez? Mais quand vous allez dire ça, vous allez voir que la vidéo ne peut pas bouger. C'est le même geste. C'est-à-dire que c'est le même, ça tourne, ça reprend. Le même scénario là. Ça reprend, ça reprend, ça reprend. Donc vraiment, soyez vraiment très vigilants. Voilà, moi je pense que c'est important. Voilà, c'est important. Et aussi, je profite aussi de dire aux gens aussi qui aiment la facilité, vous qui, celles que vous êtes assis, je ne sais pas. Pour vous, quand vous voyez quelqu'un vous parle, c'est Bansé qui vous parle, ou bien c'est Eto, ou bien c'est quelqu'un. C'est-à-dire que sur Facebook, là, quand on vous dit bonjour, là, vous tremblez en même temps. C'est-à-dire que directement pour vous, là, votre vie, là, ça va changer. C'est pas comme ça, les gars. C'est pas comme ça. Voilà, je pense qu'il y a des personnes qu'on peut aider, mais ce n'est pas comme ça. Sur les réseaux sociaux, comme ça, tu ne connais pas quelqu'un, le gars, il t'envoie un message, il te dit bonjour et s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner 2 millions, il y a fait commerce. C'est trop facile. Ne pensez pas que peut-être que les joueurs, là, ils ont assez d'argent. Non, ce n'est pas seulement sur les joueurs. Il y a d'autres personnes même qui ne sont même pas connues, mais je vous dis, ils sont plus riches que les footballeurs. Nous, là, peut-être, on a eu la chance d'être vus. À la télévision, on passe, on nous voit, machin, on pense que peut-être que nous, on a tout l'argent du monde. Mais je vous dis, détrompez-vous, les gars. Il faut vous détromper. Hein? Il faut vous détromper. Moi, je pense que ceux qui font ça, là, ceux qui adorent la facilité, changer. Et quand on sort, par exemple, moi, quand je sors, par exemple, il y a d'autres personnes qui me voient, ils arrivent. C'est-à-dire que quand ils te voient, c'est-à-dire que pour lui, là, sa vie est déjà gagnée. Il a vu peut-être penser ou bien il a vu quelqu'un. C'est-à-dire qu'on l'a vu, on a dit bonjour, là, on est en train de causer. Là. Nous, là, c'est-à-dire qu'on va l'enlever dans la galère. C'est-à-dire que pour lui, là, c'est gagné en même temps. C'est pas comme ça, les gars. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La vie, là, ce n'est pas comme ça. Moi, je pense que ce qui est pour toi, c'est pour toi. Et il y a une seule chose. Il faut être fier dans la vie. Voilà, vous voyez. Il faut être fier de ce que tu fais, de ce que tu es. Il faut être fier. Il ne faut pas te faire passer pour ce que tu n'es pas. Voilà, moi, je pense que ce n'est pas bien. Voilà, quand tu peux monter dans le taxi, tu montes dans le taxi. Tu peux monter dans le temps, tu montes. Tu as un vélo, tu as un vélo. C'est à toi. Voilà, donc je pense que l'étoile de tout le monde brille. Ça va changer. Si tu restes correct, tu restes un battant, un gagnant, un grouilleur. Un jour pour toi, ça va sortir, les gars. Moi, en tout cas, je vous encourage. J'encourage tout le monde. Parce que moi aussi, je suis un enfant aussi de ghetto. J'ai commencé aussi en bas. J'ai vendu les journaux, j'ai fait la mécanique, j'ai fait la menuiserie, j'ai fait plusieurs choses. Hein? Même sur la route, même en train de laver vite des voitures, j'ai fait tout ça, les gars. Mais bon, je ne suis jamais allé sur les réseaux. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas ça. Mais escroquer des gens pour dire non, oui, tant, j'ai jamais fait ça. Et donc, je pense que dans la vie, qu'on avait un moment à l'autre, il faut rester toujours positif dans la vie. Voilà, pas avoir de l'argent. Et ça, c'est de l'argent sale. Voilà, parce que ces gens que vous escroquez là, c'est des personnes qui vont mettre leur bouche sur vous. Et comprenez quelque chose, vous allez payer. Ça c'est sûr, vous allez payer. Vous allez payer. Ça continue aujourd'hui. Et même dans le monde du football, ça existe. Voilà, dans le monde du football, ça existe. Il y a des managers et il y a des faux managers.
Voilà, il y a des faux managers qui vont chez les parents des joueurs pour escroquer de l'argent, pour dire non, je vais faire partie de ton fils en Europe, je vais faire partie de ton fils ici. Ils n'ont même pas de contact, ça je vous le dis. Voilà. Soyez sûrs, ils n'ont pas de contact, ces gens-là. Regardez bien, je vais vous expliquer un truc. Il y a un manager qui m'a fait quelque chose. Bon, soit disait un manager, il s'est dit c'est un manager de football. Il m'a vu, c'était à Abidjan. Il m'a vu, il m'a approché, il dit non, lui, il vit à Londres, il fait Londres, Paris, tous les pays là. Voilà, vous les connaissez aussi, eux qui voyagent partout. Voilà, il dit, il va aux États-Unis, il va ici, 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 ici. Il m'a approché d'abord, voilà comment il me dit. Il me dit non, je vais t'envoyer qu'on appelle ça, en France, dans une bonne équipe, ou bien, bon, ouais, tu es grand de taille, hein, tu es grand, voilà, tu as une belle forme, je vais t'envoyer, qu'on appelle ça même. Dans le championnat anglais, tu vas aller jouer. Je l'ai coupé direct. Il dit, tu vois, soyons francs. Moi, aujourd'hui, là, j'ai 35 ans. J'ai 35 ans. C'était avant, quand j'étais en Allemagne, quand j'avais mes 25 ans, 26 ans. Ça, c'était Aristide Bansé, ça. Voilà. J'ai eu l'opportunité d'aller jouer en Angleterre, mais le transfert, ça n'a pas marché. C'est pas aujourd'hui, là, j'ai 35 ans. Toi, manager, là, tu as dit que moi, tu vas me faire partir en Angleterre. C'est pas possible dans le football. Il y a la réalité. Il faut être fier de ce que tu es. Je lui ai dit, moi, aujourd'hui, là, j'ai 35 ans. En ce moment, j'étais à la SEC, Mimosa, je suis à la SEC, je me sens bien ici, je n'ai pas envie même d'aller là-bas. Où je suis, s'il est si bien. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire pour moi, mais il parle. Après, il me dit, non, est-ce qu'on peut rester en contact? Je vais t'inviter dans un restaurant. Je lui dis, oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, parce que c'est le nom qui envoie par là. On échange des numéros, tout, tout, le gars, il voyage, il part. Après, une fois encore, en vacances, j'arrive à Abidjan. Le gars, il m'écrit, non, il m'a vu, il a appris que je suis là. Il dit, oui, je suis là. Il dit, non, il m'invite dans un restaurant. Il m'a invité à un restaurant à Boussouan, Trècheville. À Boussouan, ceux qui sont à Abidjan le savent. C'est un restaurant vraiment très haut niveau. Voilà, c'est un restaurant, tu pars directement, mais le plat même peut te taper 40 000 ou bien, je ne sais pas, 30. En tout cas, ce sont des plats vraiment chers. Le gars m'envoie là-bas. Il paye la nourriture. Vous voyez, ça c'est un piège d'abord. Il paye la nourriture. Et il paye la nourriture. Moi, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est gentil. Moi-même, j'ai insisté même de payer de moi-même. Le gars dit non, là je vais payer, tiens, faut laisser, il n'y a pas de souci. Donc moi je rentre chez moi, après peut-être quelques mois après encore, c'est-à-dire qu'en venant en sélection, voilà, je suis passé à Abidjan parce que nous on devait rentrer un lundi, je suis passé à Abidjan samedi parce que moi j'ai joué mon match peut-être vendredi. Donc j'arrive, et quand j'arrive, le gars maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il est avec les parents. Écoutez-moi bien, il est avec les parents et il est assis avec les parents. Il a commencé son jeu. Il m'appelle. Bon, moi, s'il m'appelle, là, à quoi moi je pense? Je pense à un manager qui m'a invité quand même dans un restaurant qui a payé le plat. De vous à moi, aujourd'hui, là, quelqu'un qui va t'inviter à aller payer un plat de 50 000 ou bien 60 000 comme ça. Bon, cette personne-là, au moins, peut-être tu vas garder vraiment une belle image de lui, mais sans savoir ce qu'il est en réalité. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Le gars, il m'appelle. En vidéo, hein, je décroche. Et quand je décroche, là, je vois, il y a des gens autour de moi, machin. Il y a des gens qui aiment bien ça. Il décroche. La maman est là, le fils qui veut jouer au ballon est là, le papa est là. C'est-à-dire, c'est la famille même qui est réunie autour de lui. Et le gars, il fait ça. Ah, Bansé, c'est comment? Ah, tu es venu à Abidjan même, tu ne m'appelles pas, hein? Ça, c'est pas bien, ça. Faut pas faire comme les autres joueurs, hein. C'est pas bien, machin. Il a parlé comme ça. Moi aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Par respect, par rapport à son comportement, il s'est comporté parce qu'il a payé. Donc, bon, j'ai pensé, j'ai dit, bon, ça là, c'est quand même une bonne personne. Mm-hmm. Bon, j'ai réfléchi, j'ai pas voulu m'énerver. Il dit, mais on vient de se connaître là, le gars me parle comme ça. Ça, j'ai dit ça dans mon cœur. Il dit, bon, ok, il n'y a pas trop le verset, mais c'est bon, comme il y a des gens. Il dit, non, il dit, grand frère, vraiment, excuse-moi, voilà, je vais t'appeler, on va se voir. Vous voyez? Il raccroche. Et quand il raccroche le téléphone, qu'est-ce qu'il dit aux parents? Il va faire ça. Ah, vous voyez, les Bansé là, les Bansé, les Masgradet, les quoi, machin, les Pitropa là. C'est moi, ils les ai fait partie. Hein. Voilà, ils ont payé l'argent aujourd'hui, ils ont payé 5 millions, ils les ont fait partie. Et aujourd'hui là, ils ont réussi, ils viennent à Abidjan, vous-même vous avez vu. Hein. Il a dit, il s'excuse, il ne m'appelle même pas, tant, 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 vous voyez. Et les parents aussi qui sont à côté tombent dans le piège. Les parents qui sont à côté tombent dans le piège.
Ah, réellement, hein, c'était Bansé. Oui, c'est lui qui a fait partie de Bansé. Mais alors que c'est faux. Les parents tombent dans le piège en donnant les 5 millions. Imaginez-vous un parent qui se débrouille, qui a peut-être, je ne sais pas, 100 000 à la fin du mois ou 150 000. Et qu'il a un seul bien, il a un terrain. Il décide d'aller vendre ce terrain-là pour faire partir son enfant en Europe. Et il donne ça au manager. Et le manager là, prend les 5 millions, il bouffe. Imaginez-vous la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu? Qu'est-ce qui se passe? Les parents sont là, ils ont enlevé l'argent pour faire partir leur enfant en Europe. Et le manager, il a pris cet argent-là et puis il a fui. Vous voyez? Donc actuellement, là, ça existe. Donc c'est pourquoi souvent, quand vous voyez les stars, là, les stars, footballeurs, chanteurs, partout, quand ils sont assis, et puis il y a des personnes qui approchent, qui disent non, ils veulent photo là. Ils regardent d'abord le visage là. Il y a d'autres qui disent non. Et ces gens-là, quand ils disent non là, chers amis, comprenez-les. Moi, je sais de quoi je vous parle. Comprenez à ces personnes-là et pardonnez à ces personnes-là pourquoi ils disent non. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas bien. Il y a des personnes qui sont méchantes. Tu fais la photo à lui, tu l'attrapes comme ça, bien. Il prend cette photo-là, il va faire mal à ça. C'est-à-dire qu'il va miser sur ça. Il prend ses mains devant. Lui te connaît. C'est lui qui t'a fait aujourd'hui. Et les autres, là, par rapport à toi, ton image, il profite et maintenant il prend de l'argent chez les autres. Donc ça, c'est une publicité gratuite. C'est une publicité gratuite. Donc c'est pour cela, souvent, il y a des gens qui sont assis comme ça. Quand on dit photo, là, il te dit non. Voilà, parce que ne pensez pas que c'est un mal. Ils ont raison. Parce que c'est difficile aujourd'hui, l'image aujourd'hui, là. Aujourd'hui, remarquez aujourd'hui, le Facebook aujourd'hui, là, c'est une justice, hein. Ça, je vous le dis, et vous-même, vous le savez, hein. Facebook a condamné combien de personnes? Facebook a fait, ils ont mis combien de personnes en prison? Vous-même, vous le savez, on est d'accord? On est d'accord aujourd'hui, là, tu fais quelque chose de mauvais. Dès qu'on te filme, c'est le peuple. C'est-à-dire, c'est le peuple, là, le peuple de Facebook, tous ceux qui sont connectés. Leurs commentaires seulement et leurs vidéos, ça va te condamner et ça te rattrape. Donc, c'est comme ça. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, moi, je pense que, vraiment, il faut arrêter d'être malhonnête. Voilà. Ces gens qui le font, là, voilà, qui prennent l'image des stars comme nous, des artistes, des chanteurs, pour escroquer des gens, vraiment, moi, je vous le dis, Dieu va vous punir. Et ce n'est pas une bonne manière d'avoir de l'argent. Ça, moi, je vous le dis, ce n'est pas une bonne manière. Vaut mieux demander que de voler. Tu demandes, on ne te donne pas, tu ne dois pas insulter. Celui que tu as demandé, là, c'est pour lui. S'il veut, il te donne, parce qu'il a travaillé aussi pour avoir. Vous voyez? Voilà. Donc, moi, je pense que vraiment, on doit vraiment arrêter ça. Voilà. Donc, chers amis, je vous demande pardon. Je me mets même à genoux. Aidez-moi à faire des commentaires dans les posts, là. Aristide Bansé, oui, on dit non, je vais t'aider, je vais faire ceci, cela. Vraiment, je vous demande pardon. Aidez-moi à partager la vidéo. Vous voyez, c'est la plusieurs vidéos. Hein. Je continue, mais... Bon, c'est... En tout cas, ça continue. Par jour, là, je reçois au moins 15 messages de même cas. On m'envoie, qu'on appelle ça, capture d'écran. Ah, Bansé, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour toi. Vous voyez, ça continue. Donc, c'est un peu difficile pour moi. Donc, je ne sais même pas comment faire. Donc, tout ce que je peux faire, là, c'est ça qui est là. Je suis déjà parti à la police, je suis allé à la gendarmerie, mais ça continue. Donc, je ne peux pas me taire. Donc, peut-être que cette vidéo-là, mais là où ils sont en train de parler, peut-être qu'il y a quelqu'un même qui est prêt même à faire un transfert. Mais vu que non, je vais faire cette vidéo-là, ce gars-là, ou bien la dame, ou bien le tonton, le monsieur, ils verront ça. Et puis, bon, voilà, ils vont peut-être se calmer. Vous avez vu, les gars? Donc, vraiment, je vous demande pardon. Hein? Et encore, vraiment, désolé encore du dérangement. Voilà, désolé encore du dérangement. Ici, au Burkina, on est encore dans le couvre-feu. Et à Abidjan, le couvre-feu est levé. En tout cas, merci encore à tout le monde. Voilà. Voilà. Que Dieu nous protège. Voilà. Qu'il nous enlève dans cette maladie. Voilà. Que cette maladie puisse passer assez rapidement. Enfin, pour que voilà, chacun de nous va reprendre son boulot assez rapidement, parce que nous avons besoin de ça. On ne peut pas rester dans cette situation, et sachant qu'on a une famille derrière. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Voilà, en tout cas, beaucoup, je vous remercie beaucoup. Et peut-être dans 2 jours, 3 jours encore, voilà, je vais revenir. Voilà, je vais revenir. Donc, c'était toujours moi. Voilà, c'est toujours moi. Je suis en compagnie de mon client. Mon client, il est toujours là, il est toujours avec moi. Le client fidèle, depuis Villonsville. Voilà, donc on vous salue.
On salue toute la population de Ouagadougou, Burkina Faso, Bobo Dioulasso, Abidjan, Côte d'Ivoire, Ulanceville, partout dans le monde, New York, Bénin, Guinée-Conakry, voilà, Lagos, partout, Mali, les gens de Bamako, partout, on vous adore. On ne peut pas citer tout le monde, mais en tout cas, toute l'Afrique, tous les Africains, machin, on vous adore. Allez les gars, bonne soirée, allez, prenez soin de vous. C'était moi. Allez, ciao.